is. Allô. Ah ben non, on a dit qu'on ne voulait pas qu'on regarde, il faut qu'on fasse la vidéo. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture, excuse-moi Lily, de la Roubox. Alors, on a la Woobox de ce mois-là, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais continuer à prendre cette box-là. On va voir. En tout cas, elle a été très longue à arriver à la maison. Hein, parce que je l'ai commandée depuis le début de l'année. On l'a reçue que le mois dernier. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Donc là, je l'ai ouverte avant. Ça se présente comme ceci. Trop bien. Et regarde pas. Mimi, regarde pas. Il y a peu de choses parce que j'ai pris la small, hein, j'ai pas pris la grande. La dernière fois en fait. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il manquait des choses en plus. Oui, il manquait un truc d'ailleurs, j'avais même pas compris. Et ça c'est quoi? C'est le menu toujours. Ah oui, puis ils nous mettent après si on prend la grande, tout ce qu'il y a dedans. On regarde pas. Donc il y a, on regarde pas. Il y a, ouais, puis il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a 3, 4, 5. Mais faut que tu regardes. Allez, vas-y. Oh, c'est écrit en japonais. Bah oui, Mimi. Hein. C'est des... Non, ils mettent caramel corn. Ouais. Mais sinon, c'est en japonais. Ou en chinois. C'est des petits asticots comme ça. Asticots. Asticots, coco. La tête. Bah, tu sais, des fois, ils font des trucs bizarres. Tiens, vas-y, je te laisse. On dirait, tu sais, le café, là. On met les dosettes dedans. L'emballage du café. Ah oui. C'est quoi? Un asticot? Bah oui, je l'avais dit. Non, on dirait du chocolat. Bah c'est du chocolat. Mmh. C'est comme un apéritif, sauf que... Sauf que c'est au chocolat. C'est pas mal. Oh, c'est les céréales... C'est comme les céréales Chocapic, c'est ça? Chocopop, je sais pas quoi. Non, Chocapic. Chocapic. Avec le lapin, là. À moi. Cacahuètes. Et attends, je vais écrire lemon, des cacahuètes au citron. Je m'en vais. Ça se présente comme ça. Regardez, on dirait des cacahuètes, il y a écrit lemon. Ça sent la surprise. Ah bah attends, je peux... il y a une ouverture facile. Bah. Ouh. Oula. Et non, quoi, mais attends, ils ont des odeurs. Attends, je regarde la date quand même. Le 15 septembre, ah ouais, non mais attends, parce que des fois tu dis où c'est périmé, là. Oh, l'odeur. Oh, j'ai... Oh, c'est bizarre. On dirait des bananes. Ah si, il y a quand même des cacahuètes, tiens, vas-y. Moi, je prends une cacahuète, hein. Ben, goûte, ouais. Ça se présente comme si... On dirait une forme de banane. Et il y a des cacahuètes comme à l'apéro. Comment je parle cacahuètes? Ouais, ça, le goût de shit. Cacahuète, hein, t'aurais dû goûter ça. Cacahuète, c'est un goût de cacahuète, c'est croustillant, mais en même temps il y a un petit goût, peut-être le goût de citron, mais c'est pas mal. Moi j'aime pas. Moi aussi, moi j'aime bien. Moi aussi. Ouais, tu les mangeras. J'aime bien, mais non, c'est original. C'est un goût de cacahuète, mais en même temps légèrement un petit goût acidulé de citron. À toi, Lulu. Bah, tu peux regarder, hein. Je suis pas sûr, il en reste 3, je fais ce que tu veux. Encore en japonais. Ah, c'est peut-être des choses à faire, ça. Ah oui, attends, c'est à mélanger. Regarde, tu vois un truc. Ouais. Bah ouais, mais comment on fait? Tu veux que j'aille chercher des verres? J'ai peur, en fait, là. Bah, 1, 2, 3, 4. C'est qu'on fait des trucs de bulles. Bon, on coupera et ça, on va essayer de le faire. Parce que c'est pas écrit en français. Donc, vas-y, choisis un autre produit, on va regarder. Des pokis au chocolat, donc ça fait comme des Mikado en fait. Ouais, ah c'est avec, comment il s'appelle lui Mimi? Oh, je sais pas, tu l'avais en pyjama. Oui, je l'avais en pyjama lui. Je sais pas comment il s'appelle. Ah, je sais plus comment il s'appelle, puis son petit copain là. Tu veux ouvrir? Ah, oh, comment il s'appelle? C'est pas, non, pas de Snoopy. Snoopy. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux et c'est, attends tiens,
C'est tout fin comme ça. J'en remets un besoin. Ah bah il y a une version. Et j'ai le goût des trucs comme ça, c'est bien épicé, bien aromatisé. Moi j'aime bien. J'avais même pas vu, il y avait le citron là. Et cadeau. De chocolat. Ah ouais. J'espère que c'est pas au chocolat noir. Ben si. Mikado. Ça va, c'est bon. Les Mikado, hein. Ouais. Ils sont bons. Ouais. Vous pouvez retrouver ça en France. Hein. Ouais. Et le dernier paquet, alors là apparemment c'est pommes de terre et aux légumes. C'est des petites frites. Vous voyez, il y a des petites frites avec des légumes et des pommes de terre. Génial. Donc on va tester ça. Ouais, c'est des petites frites. Mais après, le sucré, là. En fait, c'est des taches. Il n'y a pas des légumes. Je pense que c'est le colorant qu'ils ont dû mettre dessus. Ça sent les... Ça sent la frite. Non, le truc chinois, là. Ben, ça croustillant comme les trucs de crevettes, là, chinois. Ça sent la pomme de terre. Bah, les chips blanches qu'on a... Ouais, à la crevette. Ah, cette texture-là. C'est trop bon. C'est une texture des chips en fait. Hein, hein. Bah c'est le même goût qu'au restaurant chinois, hein, je trouve. Hein. Mmh. Ah, c'est plutôt pas mal. Bon, on va aller voir ce petit truc là et on revient vous en voir. En fait, pas du tout. C'est une sorte de barbe à papa. Et c'est au goût soda. Et c'est au goût soda. Tiens, loulou. Non, ça me fait peur de manger ça. Ça colle. Bah écoute, hein, c'est ce que j'ai vu. Hein. Elle se fonde. Ouais, je te le redonne parce que ça a le goût de médicament que je prenais quand j'étais malade. J'aime pas non plus ça. Oui, ça a le goût de médicament. Celui à la fraise là, que je prenais en pipette là, que j'aimais pas. La gelatine. Ah. Alors ça fond. Ouais, ça fond, mais c'est pas bon. Mais ouais, c'est pas terrible. Hein. Après, donc, on n'aime pas. Après, vous. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as préféré là sur tous les produits, Loulou? Bah, moi j'en ai aimé deux. C'est les Poki, donc les Mikado, quoi, qu'on peut trouver en France. Et les espèces de frites aux légumes et à la patate, là. Ouais. Voilà. Et ben moi, j'ai aimé ça, je trouve que c'est original quand même, le goût de la cacahuète. Et ensuite, on a un petit goût citronné qui est très léger, très subtil, mais on le sent quand même. Et ouais, j'ai bien aimé ça aussi. Après, en troisième, j'aurais mis ces petits trucs-là, riz soufflé, riz soufflé. Après, le reste, non. Tant, le petit déjeuner, c'est bien. Donc voilà pour l'ouverture de cette petite box. Donc c'est vrai que soit je l'arrêterai ou je continuerai, je prendrai peut-être plus grand. Mais c'est vrai que pour une première, je préférais assurer et prendre un petit. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5 produits à ouvrir. Bon bah voilà, après c'est vrai que bon, c'est une première avance. Mais c'est vrai que ça a été très long avant que ça arrive quand même à la maison. Et nous en fait on préfère vous faire, dites-nous d'ailleurs en dessous la barre d'infos, des petites dégustations. Bon, je sais que je prendrai sur un site américain quand même pour tester ce que Lily, elle a envie de tester quand même certaines choses. Oh. Et mais nous on aime bien aller soit à nos, soit à Action. Ouais. Et au moins c'est accessible à tout le monde, vous n'avez pas les frais de transport, internet, machin et tout, c'est pas long. Vous pouvez vous rendre dans vos nos ou autres. Et puis on a dit aussi qu'on regarderait dans les commerces, dans les grandes surfaces aussi, des petites nouveautés, peut-être que ben voilà, on vous dira si c'est Super U, Leclerc, et faire des petites découvertes comme ça. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt dans une dégustation. Smiley, j'arrive pas à le dire. Smiley thing.